festival, on a commencé à travailler dessus en 2017. Il a vu le jour se concrétiser en tout cas en début 2018 et depuis on a un peu plus d'un an de travail pour tout organiser. Quand je dis tout organiser, ça passe par la com, ça passe par trouver les locaux, ça passe par trouver les sous surtout. Et puis motiver tous les pratiquants à faire le spectacle auquel on a assisté aujourd'hui et qui j'espère a plu au plus grand nombre. On a souhaité que ce festival ne soit pas un festival classique. On s'attend avec les arts martiaux à des choses très simples, très, très classiques, très, très codifiées. Et on a voulu un peu dépoussiérer tout ça. Donc on a fait appel à un metteur en scène dont c'est le métier. Il s'occupe notamment de la mise en scène des spectacles chez Disney, des spectacles qui sont organisés, qu'il organise parfois aux États-Unis. Et puis surtout, on a voulu profiter de son expérience en tant que danseur et maintenant pratiquant d'arts martiaux pour donner un coup de poussière finalement à tout ce qui est arts martiaux et montrer que les arts martiaux, ça peut être quelque chose d'amusant, ça peut être quelque chose de sympa à voir en dehors de kas, de kata, de choses comme ça. Qu'est-ce que ça fait, voilà. Que du bonheur. Que ça. Bon, j'imagine que tout le monde a répondu présent dans les entraînements, tous les dimanches matins depuis 2-3 mois d'affilée. J'avais 30 personnes sur le tapis qui étaient là présents régulièrement. Enfin, franchement, déjà au niveau du groupe du karaté, c'est phénoménal.
phénoménal. Les gens ont répondu vraiment, aussi bien les enfants que les adultes d'ailleurs, et les parents des enfants qui ont suivi. Beaucoup de travail, des heures, et pas à ce temps-là, on n'a rien fait d'autre. Alors qu'il y a, bon, il y a des prochains, des dates importantes prochainement pour les grades et tout ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis j'avais beaucoup à cœur de refaire ce festival pour des personnes justement, dont Alain Garcès, qui on pense beaucoup à lui.